Maxi. Chez Maxi, écoute, la cuisse de poulet, c'est là qu'il est vraiment le moins cher, là, hein? 88 cents la livre, tu peux faire 1,94 le kilo pour la belle cuisse de poulet avec l'os, la peau pis tout. C'est super facile. Ça, tu fais ça au début de la semaine, peut-être du poulet toute la semaine pour faire des vols au vent, faire des pâtes au poulet, des petits sandwichs au poulet, des salades de poulet. Ah oui, tout ce qui finit par poulet, c'est fantastique parce que c'est une petite protéine qui est vraiment pas chère, là. Hein? Puis pas de trouble. Hein? Le plus gros trouble là-dedans que moi je trouve personnellement, c'est de laver la lichefrite après, là. C'est ça qui est plate. D'ailleurs, le petit truc, hein, tu sais, le gras, là, moi je le laisse figer. Hein? J'attends, je jette pas ça chaud de même. Puis jamais tu jettes ça dans le levier. Tu vas cochonner ton évier. Là. Tu mets ça dans le bas de la toilette. Hein? Le gros, là, tu mets ça dans le bas de la toilette parce que tu le fais ça normal après. Là. Ben, tu sais, tu as dit ça de même, là. Protège tes tuyaux, c'est sûr. Aussi, chez Maxi, écoute, qu'est-ce qu'on a? Le petit jambon coq. Ça, écoute, ça a bien du bon sens. À 1,48 la livre, surtout, ou 3,26 le kilo. Ça, c'est super salé. Ça, c'est sûr, c'est super salé. Tellement salé que moi, ce que je fais, c'est que pour compenser un peu, pour tuer le goût du sel, parce que ça devient tellement trop salé, que je le fais cuire dans l'eau, oui, mais avant, j'y mets, bien sûr, tu sais là, une belle gros litre, là, ben, c'est plus des litres, à ça, c'est des 946 millilitres de jus, là, tu sais, les litres de jus, de pommes rouges, bon, n'importe quelle, oasis, n'importe quel, un jus de pomme, tu mets ce qui est sucré, tu mets ça là-dedans, tu remplis avec l'eau, tu le fais bouillir ton petit jambon, là, pendant, ça dépend de la grosseur, puis ça, c'est après 1 heure, là. Puis après ça, ben, tu te fais des belles tranches avec ça. Juste tout simplement du sirop d'érable là-dessus, une petite patate pilée, avec un super souper, là, c'est sûr, facile puis pas cher surtout. Puis après, il te reste plein de petits jambons comme ça pour faire des sandwichs, des petits cubes dans une salade. Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire du jambon, c'est versatile au bout, puis c'est pas cher. Fait que c'est ça qui compte parce qu'on veut bien manger, puis en même temps, il mange de la protéine, puis pas trop cher. Puis, en tout cas, c'est sûr que le jambon cette semaine, c'est là qui est le moins cher si tu cherches ça. Ça, c'est sûr. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, écoute, c'est des petits sacs, où je te dirais, individuels. Fait que si toi, tu es tout seul, hein, ou tu es juste toi et ton conjoint, des fois, c'est des portions qui peuvent être le fun. Surtout que quand tu regardes le prix, quoi, ça coûte 2 piastres pour, par exemple, tu prends une petite crevette crue, c'est des 51,70. Donc, c'est des petites crevettes. Il y en a quoi des plus petites que ça, des 71,90, mais des 51,70. C'est pour des salades là, de crevettes, c'est parfait. Puis là, quand tu as quoi là-dedans? Tu as 160 grammes pour 2 piastres. 160 grammes, écoute, c'est sûr que pour une personne seule, c'est amplement. Tu peux même, si tu mélanges plein de petites choses, de la salade, des avocados là-dedans, plein d'affaires, tu peux avec un petit sachet de 2 piastres faire 2 belles petites salades super. Ou t'as fait une belle grosse salade là, pour un dîner, puis ça coûte pas cher, 2 piastres. Qu'est-ce que t'as pour 2 piastres? T'as même pas un Big Mac à ce prix-là, c'est sûr, ça coûte pas un prix. Un Big Mac, qu'est-ce que ça? Okay, ça donne une idée, là. Puis t'as aussi le saumon fumé, 50 grammes de saumon fumé pour 2 piastres. Donc, tu sais, souvent, moi, j'achète 300 grammes pour 10 piastres, donc 6 fois 50, ça fait 300 grammes, donc 6 fois 2, 12 piastres. Donc, tu sais, il y a 12 piastres pour du saumon fumé. Dans le fond, ça a bien du bon sens, franchement. Fait qu'écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Écoute, n'oublie pas, hein, fais-moi un petit commentaire, un petit j'aime, partage ça. Il faut absolument que tout le monde qui voit au Québec, qui voit la liste de papapapa, c'est un must, là, franchement. C'est sûr, surtout si t'es la personne, t'sais, qui fait les repas, qui fait les épiceries. Là, c'est sûr que c'est intéressant, la petite vidéo de papapapa, c'est sûr. Puis si tu vas t'abonner en plus VIP, ben là, tu as la liste complète là, en PDF, en web, avec le prix vraiment qui vaut versus le prix en spécial. Puis c'est vraiment bien fait. Je te le conseille vraiment, là, c'est un aide super. Sinon, ben scrute, prends l'heure qu'il faut pour scruter les circulaires comme il faut, puis aller chercher les beaux rabais, parce qu'il y a vraiment énormément d'argent à sauver, c'est sûr, quand on cuisine les rabais de la semaine. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa.